Match 1, match aller entre Basketland et Bourges. C'est parti, les playoffs sont définitivement lancés. Céline Dumerc, Alix Duchet, le drive, il est pas mal. Et la proposition par Kayla Alexander. Contre-attaque, Margariti qui redemandait le ballon. Et c'est finalement Céline Dumerc. Seconde. Bourges qui défend bien, elle va avoir un shoot très très compliqué. Ça va être au buzzer pour Tursinovic. Et avec de la réussite, décidément ce cercle est landais. Mont-de-Marsan dans ce premier quart. Acier. Steinberger, elle ne refusera pas le tir. À 3 points. Gros shoot. Hein. Laetitia Guapo, bonne défense. Ça ressort bien. Bien joué triangle. Là. Oh, le triangle infernal. Le high-low est magnifique. Tux. Mais là aussi, Marine Fautoux, elle a lu merveilleusement bien. Burf qui donne le N1 en plus. Elles n'y sont pas. Elles n'y sont pas. Par contre, les Siawapo, c'est pas possible, hein. C'est pas avec le doigt qu'on défend. Ouais. Les mains sont écartées pour montrer que c'est difficile de pénétrer. Astier, Astier c'est oh fort. C'est sublime. Astier c'est fort. C'est incroyable geste. Mais le repli, il est juste parfait du côté de Basketland. Ça se replie très vite et c'est en place hein, défensivement. Kyle Alexander, Alexander, défendu par Harmon, voilà. Elle est gênée, mais pas assez. N1. Elle l'a même pas vu, elle l'a même pas vu. En toute bonne foi, évidemment. C'est bon. Pauline Astier qui se décale sur le tir à 2 points. Elle est dans les bonnes distrepasses pour la joueuse de Bourges. En même temps, sur ce spot-là, elle est inarrêtable. Ouf, c'est sur Jardin. Pauline Astier qui a chuté et qui est restée longuement au sol. Elle grimace. Pauline Astier qui grimace. Ouais, et pendant ce temps. On avait envie de voir Burt aussi. Hein. Là, ce shoot-là, il faut qu'elle mette ça. Et elle voilà. Elle le met. Et voilà comment on rentre dans le match. Si Taylor Wurst trouve de l'adresse comme. Merci à Professeur Weiss. Duchet. Ouais, là, no look. La passe aveugle pour oh, le shoot ça. Rapide. Course pour Laetitia Guapo qui aura un tir au buzzer sans résultat. On en reste à 37 à 34. Perdu. Il y avait du monde sur la situation. Le face à face, elle préfère sortir. Ouais. Bien sorti, mais comme le repli est bon. Ouais, et en plus, ça libère des shooteuses. C'est exceptionnel. Dans l'ouverture de porte là. Il faut donner le ballon à Miem. Oui, voilà. Sur Reel, faut qu'elle le joue. Alors techniquement, est-ce qu'elle peut s'imposer ? Elle reste sur ses appuis. Et regardez, l'aisance technique, elle se retourne. C'est superbe. Bourges à 40, 39-40. Bourges est devant. Ah, c'est fort. Guapo. Duchet. Qui va d'un côté à l'autre avec le pick and roll. Et encore une fixation. Ça sort pas sur Godin. Godin, elle est exceptionnelle. Une photo qui s'écarte, elle est passée devant Miem, elle a passé les bras, elle a trouvé Reel, tir difficile. Ça ressort, Mann en percussion, et la libération excellente. Magnifique passe, elles ont tiré à 2 points. Elles sont allées au bout du chrono et il y avait de l'idée. Là c'est Burf qui se livre encore. L'action était de grande classe. Elle a eu du mérite, Jaldi Tabdi, encore une belle passe trouvée à l'intérieur, les relations. La bonne patience, la bonne patience. Attaquer quand même. Le dernier ballon. Allez, le shoot. Au Basketland, ça passe devant. Ces deux équipes qu'on retrouvera au Prado ce samedi, même heure, pour le match retour. C'est l'occasion de marquer des points, de passer devant. Le tir, plein de rage. Et c'est... Elle aurait pu sanctionner. Elle aurait pu sanctionner. Petite erreur défensive. Elle s'est retrouvée seule. Guapo, la course, la transmission, la transition. Le banc. Elle a déposé tout le monde sur ses appuis. Ça c'est sa force, hein, la percussion. Elle va tellement vite, elle est quasiment inarrêtable. Ouais, la vie au Guapo qui prend son envol. C'était bien avec nous sur Sport en France. Il va s'en passer encore des choses. Marine Fautoux à l'attaque. Marine Fautoux, 2 plus 1. Et qui va faire... pour nourrir le Duchet.
Elle cherchait à l'intérieur, Alexander qui avait pris une bonne position. Ouais, le relais, elle est de retour. Elle est de retour pour les Nassiers. Laura Ril en échec, le premier échec sur la ligne. Mais regardez qui vient. Qui va jouer. Regardez Margariti. Magnifique. Margariti. C'est du Margariti saison 2021-2022 là. Franchement, le footwork, il est magnifique. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Oh là là. Enrhumé Elodie Godin. À droite, à gauche. Tennessee Queen, la Suédoise. Non mais regardez ses appuis. Allez, on va écouter. Devant Margariti, l'avantage de vitesse. Ah, la bonne défense de Margariti. Le mauvais choix offensif, hein, avec Duché. Elle est très remuante, hein, la Suédoise. Margariti qui demande la balle au poste bas. Elle va être nourrie. Avantage de taille, de puissance. Le high low, elle remonte de l'autre côté. Bon écran dans le dos. Une photo qui est tombée. Astier. Elle est dans son match, elle est dans sa zone. Pauline Astier. C'est son shoot, ça. Elle est contrée. Oh la puissance! Et on va avoir un match nul! Incroyable! Les deux équipes sont à égalité! 70 partout! Aucune équipe ne gagnera ce match, Fred! Mais c'est normal, c'est mérité parce que les deux équipes se sont battues de bout en bout. Mais l'avantage psychologique maintenant il est pour Bourges parce qu'ils vont à la maison. Le prochain match à la maison,